En 2019, j'ai eu l'immense chance de remporter l'USA International Harp Competition, qui est un des plus grands concours de harpe au monde. Vraiment, un grand rêve s'est réalisé. Mais malheureusement, très peu de temps après, la pandémie est arrivée. On est tout en haut, on est au sommet, ravis de vivre cette histoire. Et puis tout d'un coup, tout s'arrête. Tous les concerts en Chine, aux États-Unis, tout ça n'a pas pu avoir lieu. Donc c'est vrai que ça a été très difficile. Il a fallu trouver un moyen de garder la motivation. Parce que bah, quand on n'a plus de concerts, il faut trouver la motivation pour travailler. Je suis Gauthier Capuçon, violoncelliste. J'ai initié le festival Un été en France après le premier confinement pour aller à la rencontre du public et offrir des concerts gratuits dans les villes et villages de France. Mais cette année, avec le soutien de Société Générale, j'ai voulu partager ce bonheur avec 27 jeunes instrumentistes et danseurs pour les aider dans cette période difficile à retrouver le chemin de la scène. Également avec nous, plus de 200 enfants et adolescents de l'association Orchestre à l'école, dont je suis le fier ambassadeur. C'est une véritable troupe qui est partie avec moi sur les routes de France. En concevant tous ensemble un spectacle musical, musiciens, danseurs et collégiens ont créé des passerelles entre générations et disciplines, mais surtout ont pu partager avec le public le bonheur d'être à nouveau ensemble et tout simplement de revivre. Cette aventure, c'est celle d'un été en France, leur aventure. À l'âge de 13 ans, j'ai pu connaître un professeur que j'adore et il m'a conseillé très fortement que le Conservatoire de Paris est la meilleure école pour la flûte dans le monde. C'est pour ça que j'ai vraiment déterminé de venir en France pour la flûte. Mais 我觉得我们的运气特别的好，嗯，反正然后最后还是有一个好的结果。虽然房子也很小，但是最终是我们家人能够生活在一起，所以也特别的开心。 Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui. C'était pas trop compliqué la route? Alors comment ça se passe ces derniers temps? T'as pu reprendre un peu les concerts ou il y a eu beaucoup d'annulations j'imagine? Oui, il y a beaucoup d'annulations à cause de Covid. J'ai vraiment hâte pour cette tournée avec toi et avec Arthur et Gauthier Capuçon. Oui, c'est une belle manière de revenir sur scène en fait. Et le rêve renaît progressivement comme un phénix. Et puis ça y est, là c'est en train de redémarrer. C'est bien parce que vous faites peu de tournées. En plus, on est une ville où on fait beaucoup d'efforts pour la culture. Hey, c'est génial. C'est on a une superbe école de musique à Caussade, ouais. Donc c'est super. Donc voilà, on est assez heureux. Quoi. C'est super. On a de la chance. C'est une petite ville à la campagne. C'est le carré des chapeliers ici. Voilà. Alors Caussade, c'est la ville des chapeaux. C'est la capitale française des chapeaux. Maurice Chevalier venait se fournir en canotier à Caussade. Merci infiniment.
Ce que la tournée m'a apporté le plus, c'était le retour sur scène. De retrouver ce petit frémissement avant de monter sur scène. Ce que j'ai aussi vraiment appris avec ce retour, c'est qu'on peut apprendre la musique n'importe où, mais un musicien se forme essentiellement sur scène. Ravi de vous accueillir. Et nous aussi. Ça me fait vraiment, vraiment heureux d'être là. Voilà. C'est magnifique chez vous. Oh. Merci pour votre accueil. C'est un accueil en grande pompe. Hein. Magnifique. On a souhaité ce moment de convivialité. Ben voilà, tout simplement pour vous remercier. On dit parfois que voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Mais grâce à vous, grâce à votre équipe, ben, ma foi, c'est un rêve qui va se réaliser pour nous pendant deux jours. Grâce aussi à la Société Générale qui assure, n'est-ce pas, l'intendance et puis la logistique de ce concert exceptionnel, puisqu'il est gratuit pour le public. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise pour nous, hein, bien sûr. Et quelques interrogations. Pourquoi Mazer ? C'est votre enthousiasme. C'est tout. Je voulais simplement vous proposer de signer notre livre d'or. On est très heureux d'être ici avec vous. On n'avait pas pu venir l'an passé et moi j'avais été très sensible à votre enthousiasme. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de venir cette année. Et je sens déjà toute l'émotion qui vient de la fin de la tournée. Ça sera le 16e concert aujourd'hui, le 17e demain. On a vécu des choses très fortes. Et voilà, rien que votre accueil nous touche tellement, je pense que ces deux journées vont être chargées d'émotions. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pas pouvoir terminer. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci, merci. Merci. On est super content de pouvoir aussi voir ce festival qui a parcouru toute la France et de pouvoir être à la clôture ce soir. Et c'est notre premier concert depuis longtemps. Ouais, très longtemps. On est très très content de venir au concert. C'est une vraie joie. On est originaire de Mazères en effet et on vient pour les vacances à revoir mon père. On est de Rouen en fait, on habite à Rouen et je regardais un petit peu ce qui se passait, les festivités, ce qui allait se passer. Et du coup, je suis tombée là-dessus et j'étais très heureuse et je me suis empressée de prendre les places. Ouais, en plus, moi, je suis fan de Gauthier Capuçon. Bonsoir et bienvenue au festival Un été en France. Le concert va bientôt commencer. J'étais peut-être un tout petit peu plus anxieuse au moment du concert à Mazères. C'était une petite pression qui était sur nos épaules de se dire on veut vraiment terminer la tournée en beauté. Et en fait, qui dit davantage de stress dit aussi davantage d'émotions et de vie, en fait, parce que au moment de jouer sur scène, je me sentais plus vivante que jamais. Pendant le concert, j'avais toutes les images de la tournée qui défilaient. 17 concerts, beaucoup d'émotions. Tout ce qu'on a vécu et ce projet, cette tournée qui me tient à cœur. Thank you.
En allant à la rencontre du public dans les villes et villages de France, avec des concerts ouverts à tous, cette tournée a été pour moi une aventure à la fois artistique et humaine, bouleversante, bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Mais en permettant à de jeunes artistes de retrouver ainsi le chemin de la scène, cette tournée est devenue un moment fort de partage et de transmission. C'est sans doute parce que moi-même, lorsque j'étais enfant, j'ai eu la chance de découvrir la musique grâce au concert gratuit du Festival des Arcs en Savoie, que la transmission et l'ouverture de la musique au plus grand nombre me tient tellement à cœur. Peut-être que sans cela, je n'aurais jamais joué du violoncelle.